Ce conseil des ministres, le premier du genre, après que le secrétariat exécutif a été remplacé par la commission, avait pour objectif principal l'examen des points retenus à l'ordre du jour, lesquels ont été adoptés à l'unanimité. Les chefs d'État vont voir les plans stratégiques à moyen terme de la commission 2021-2025, les plans d'action prioritaires pour l'année 2021. Et un point important, c'est le règlement intérieur des comités de représentants permanents. Les ministres ont approuvé pour unanimité le budget et tous les points. Cette séance de travail s'est soldée par des avancées significatives, notamment sur le plan d'action 2021-2025 de la Commission et la question relative au paiement des cotisations de chaque État membre. Les chefs d'État avaient décidé que toutes les contributions, arrière des contributions, jusqu'à décembre 2019, les États devaient payer une partie, 40%, jusqu'à la prise de fonction de la Commission, et la deuxième partie, 60%, échelonnée pour 5 ans. Donc, ce que le Conseil des ministres a apprécié, c'est le paiement des 40%. Il y a encore des États qui n'ont pas payé les 40%. 11 points étaient normalement inscrits à l'ordre du jour. Un deuxième s'est ajouté séance tenante et a été validé, ce qui porte à 12 le nombre de points. Présidé par le ministre gabonais des Affaires étrangères, Pacom Mubele Boubeya, en sa qualité de président du Conseil des ministres de la CEAC, les résultats de ce conseil seront examinés dans les tout prochains jours avant d'être présentés aux chefs d'État lors de la 18e session de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale en présentiel à Libreville.